Salut Bruno. Dans le rapport d'activité de la coopérative que nous avons rédigé, il y a tout un chapitre sur lequel je suis un peu perdue et où on me demande de voter. C'est celui qui concerne le dividende, la mise en réserve et le bénéfice affectable. Est-ce que du coup, tu pourrais m'aider à y voir plus clair sur ces différentes notions? Oui, bien sûr. Commençons au commencement. Ce qu'on appelle le résultat annuel équivaut aux recettes de l'année moins les dépenses. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples de dépenses? Il existe en réalité des dépenses qui concernent l'activité normale de la coopérative et les autres dépenses. Ok, et quelles sont du coup les dépenses d'activité normale? Je suppose que c'est ce qu'on paye par exemple pour le fonctionnement du site, etc. Oui, c'est ça, le fonctionnement de site, les frais d'impression, les déplacements pour les projets. Il existe aussi d'autres types de dépenses que la coopérative décide de faire sur base de décisions de prise en AG ou en CA. Ok, et du coup en 2020, en quoi consistaient ces autres dépenses qui ont été faites? Alors, si on regarde en détail le rapport d'activité, on peut relever en 2020, ce sont des frais engagés pour développer un permis à Nantimont qui a été refusé et deux dépenses de 100 euros liées au micro-sponsoring. Ok, du coup je comprends mieux. Et ce que vous nous dites dans le rapport d'activité et dans la demande de vote, c'est qu'on pourrait décider d'affecter des dépenses à d'autres choses, comme par exemple la diminution du prix de l'électricité ou d'autres projets à finalité sociale. Tout à fait, exactement. Donc, avec la guidance des coopérateurs, on pourrait faire des dépenses autrement. Ensuite, ce qu'il reste lorsqu'on enlève les charges des recettes est ce qu'on appelle le bénéfice affectable. Je suppose que si tu dis bénéfice affectable, ça veut dire qu'on peut l'affecter à quelque chose. Exactement. À côté du bénéfice affectable, il existe parfois une éventuelle réserve qui a été mise de côté volontairement dans le passé. Actuellement, chez Vents du Sud, la réserve est de 42 000 euros qui comprend le dividende qui n'a pas été distribué les années précédentes suite à la décision de l'AG, ainsi que la réserve légale qui a été constituée jusqu'en 2018, ancienne législation du Code des sociétés. Nous reparlerons plus tard de cette réserve. Ok. Et du coup, pourquoi on utilise ce bénéfice puisqu'il est dit affectable? C'est exactement cette question qu'on a souhaité poser aux coopérateurs. Comment devrions-nous utiliser ce bénéfice affectable? Soit pour une mise en réserve, soit pour une distribution d'un dividende, soit les deux. Ce que désire l'organe de gestion, c'est de définir la stratégie long terme pour la répartition de ces bénéfices affectables. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me rappeler ce que c'est, en quoi ça consiste la distribution de dividendes? Alors pour simplifier et faire un amalgame avec un compte d'épargne, il s'agit d'un intérêt qu'on paie à chaque coopérateur exprimé en pourcentage du montant des parts qu'il détient. Donc si tu as pour 1 000 euros de parts et que le dividende est de 2,5% éventuellement cette année-ci, alors tu toucheras 25 euros bruts auxquels il faut bien sûr enlever les taxes. Ok, je comprends. Et de l'autre côté, alors, la réserve, ça sert à quoi? Et c'est quoi cette histoire de disponible, d'indisponible, d'apurable, non apurable? Donc l'argent qui n'a pas été affecté, qui n'a pas été distribué en dividende, arrive dans les réserves. Alors il y a deux types de réserves. Les réserves disponibles, ça veut dire que l'AG peut l'année prochaine ou l'année d'après en faire ce qu'elle veut. C'est elle qui peut décider, ce n'est pas le conseil d'administration. On pourrait décider par exemple de réserver pour assurer la stabilité des dividendes d'année en année. La réserve indisponible apurable est dite indisponible car c'est une réserve qui n'est pas utilisable par l'AG pour une distribution de dividendes, par exemple. Elle est dite apurable lorsqu'il s'agit d'une réserve confiée au CA pour des usages spécifiques, tels que pour les investissements dans les risques projets, par exemple. Elle est dite non apurable
car elle est indisponible éternellement. On la réserve pour un usage dit de bien commun. Mon rêve à moi, comme la coopérative et la finalité sociale, c'est que nous puissions aider les personnes qui ont difficile d'accéder à l'énergie. Il faut donc des outils qui génèrent cette énergie pour ces personnes. Et si nous imaginions que 10% de la population est en difficulté, il suffit donc que pendant 10 ans de la coopérative consacre 1% à la constitution de cette réserve indisponible dédiée pour créer comptablement l'outil qui représente cette possession commune. Un outil qui produit de l'énergie pour ces personnes. Il dit ici, êtes-vous posé la question de savoir quel est votre rêve à vous à travers la coopérative? Ok, merci Bruno, c'est déjà plus clair et j'aime assez bien cette idée de rêver à propos de la coopérative. Je vais du coup pouvoir rêver moi aussi à ce que je souhaite pour l'avenir de notre coopérative en comprenant mieux maintenant ces différentes notions. Certes, qui peuvent paraître complexes, mais qui concernent réellement la vision qu'on souhaite donner dans le futur à la coopérative. Et si j'ai bien compris, pour résumer, il y a donc deux moments où on peut agir, soit au niveau des dépenses, soit sur ce qu'on a récolté et ce qu'on en fait, donc dividendes et la mise en réserve. Et donc, si je prends toutes ces informations, c'est donc sur cela que vous nous demandez de nous prononcer en tant que coopérateur. Soit, par exemple, d'affecter des bénéfices à une réserve risque-projet, soit d'affecter les bénéfices au paiement de dividendes, soit de faire des dépenses particulières, par exemple, pour du recrutement ou pour une diminution du prix de l'électricité. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, génial. Merci beaucoup, Bruno, pour tes explications.